génération aussi, on oublie aujourd'hui. Il faut revenir pour compter l'Ombette. Il faut reconnaître l'histoire d'Akomomba. Vous l'avez peut-être oublié. Mais quand j'ai fait mon 17 août à la GR, celui qui a défilé sur le cheval, on l'appelait comment? Il avait surnommé Akomomba. Oui. J'étais déjà en train de venir sur les traces. J'ai fait le premier défilé. Ils ont eu peur. J'ai fait le deuxième. Ils sont allés dire, ah, le pays est dans les mains de ce petit. Quand j'avance, je sais comment je pose mes choses. J'ai porté la tenue Sankara. Ils n'ont pas compris. Sankara fait pour son pays aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Je vous ai parlé de Jerry Rawlings. Je suis heureux quand j'ai écouté le maire le dire. Il en a fait deux coups d'État. Pourquoi il en a fait deux? Il a fait le premier coup d'État. Il a dit, ok, on respecte les droits de l'homme, on respecte ceci, on respecte ce que vous voulez là-bas en Europe. Je donne le pouvoir aux politiciens. Mais les mêmes politiciens encore ont conduit le pays dans le chaos. Le Ghana était gaspillé de corruption. Il est revenu 3 ans plus tard pour refaire encore un deuxième coup d'État. Pour leur dire que non, il faut que les militaires prennent des choses en main. Et il a redressé le Ghana. Et aujourd'hui, regardez ce que le Ghana est. Donc les gens qui vous disent que les militaires ne savent pas travailler, je ne sais pas. Peut-être c'est Trump. Et moi, je l'ai dit à l'ONU, nous, on connaît la paix mieux que vous. Parce que quand les élections sont tronquées, sont bipées, non démocratiques, c'est nous qu'on met dehors pour taper les populations. Donc c'est nous qui connaissons la paix. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas parler de paix. Parce que celui qui est sur le terrain avec l'arme, il sait à quel moment lui dit tire, à quel moment il hésite de tirer. Parce qu'il connaît la paix. Nous avons fait ça dans la paix. Et la paix, c'est ce que l'ONU veut. C'est ce que la CAC veut. C'est ce que l'Union africaine veut. Et la paix, elle est là. Elle est là. Les trois papas là, ils vont m'ouvrir la porte. Ils ont la clé. Ce sont mes aînés. Ils ont dit, petit, travaille, ne t'occupe pas des choses des blancs. Travaille, c'est déjà bien. Tu as demandé pardon, tu t'es excusé. On va trouver. Ça viendra. Donc moi, je n'ai pas peur des sanctions. On l'a fait dans la paix. Et c'était propre. La preuve, c'est que lui-même, on ne l'a pas tapé. Il est chez lui là-bas. On m'a posé des questions. Tiens, voilà. J'ai dit, mais il est libre de ses mouvements. Il est chez lui. Moi, je n'exécute pas les gens. Il va rester là-bas lui-même. Il verra les remords qu'il aura. Parce qu'à 14 ans, ce qu'il n'a pas pu faire pour le peuple. Nous sommes déjà en train de faire en 3 mois. Et ce n'est pas seulement ici au Yen. Regardez Libreville. C'est en train de se transformer. La ville en chantier. Les quartiers qui n'avaient pas de route, on est en train d'ouvrir. On met le bouton. En 3 mois, on a payé nos dettes. Les gens ne peuvent pas me dire aujourd'hui que oui, on ne peut rien faire. Même eux-mêmes, les Blancs, quand ils sont venus me voir au bureau, ce qu'on appelle ambassadeur. Oui, voilà, ce n'est pas bon, transition comme ça, voilà, voilà. Je leur ai dit, et De Gaulle, qui a libéré la France? Qui a délivré la France? C'est pas le général De Gaulle? Était-il civil ou militaire? Militaire! Il était général ou pas? Général! Il avait les mêmes étoiles que qui? Et je le leur ai même dit que peut-être nous, Africains, on a étudié vos livres, on connaît votre histoire bien pour vous. Toi qui viens me parler ici, est-ce que tu sais que quand De Gaulle a fait son coup, vous lui avez donné à l'Assemblée 5 ans de transition sans aller au vote. Et pourquoi tu m'imposes le vote? De Gaulle, les Français lui ont donné 5 ans cadeau.
5 ans. Et aujourd'hui, c'est Nicole qui a changé l'image de la France. Tout ce système qu'on dit la France-Afrique, c'est De Gaulle. Vous bénéficiez d'un système qui est bien, et quand on veut remettre la même chose chez nous, vous dites non, les militaires ne sont pas mis au pouvoir. Ils disent merci à De Gaulle, ils doivent aussi me dire merci. Il a libéré la France, moi j'ai libéré le Gabon. Je suis fier, on n'a pas peur. Là, ils vont m'amener, on a la réponse.